chaîne Ségolène pour Minimum Time Painting. Alors, je vais essayer d'ajouter un peu de lumière parce que c'est compliqué. Il fait nuit. J'espère pouvoir filmer un jour. Il fasse beau et tout ça, mais il nous annonce de la pluie pour aujourd'hui. Donc, autant vous dire qu'il va faire nuit toute la journée. Je suis en train d'abîmer mon colo. Je vais mettre un dessous plutôt que dessus. Voilà, tout va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite toile qui me vient de chez Temu et que j'ai payé en promo 23 euros et quelques. Alors, c'est un prix qui vaut fort le coup pour la taille du bébé. Alors, on va déballer pour se prendre un bruit. Un beau bébé, hein. Je ne l'ai pas encore ouvert, je brûlais d'impatience. Donc, vous voyez, c'est un beau bébé qui fait 1m95 par 70 cm, le tout pour 23 euros. Alors, je vous montre un peu mieux. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Alors, vous avez ici des vaches, je dirais. Vous en avez des noires au fond, des rouges par là. Là, vous avez des blanches. Bon, moi, j'adore les vaches. Alors, peut-être des... Ouais, j'irais plus des vaches que des moutons. Vous avez ici, hop, j'essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas de halo de lumière. Une magnifique cascade. Des arbres dans les tons jaune, rouge, vert, j'adore. Un ciel qui est absolument magnifique avec le soleil ici qui se reflète sur les montagnes, un petit lac. Les montagnes en elles-mêmes en fond sont juste waouh, à tomber. Tous les pâturages, le reflet du soleil qui dort, tout ça, c'est. J'ai trouvé l'image. Je sais pas. C'est tellement poétique en fait. Alors on va regarder comment se décompose le bâton. Ça va être super. Ces blocs sans l'être trop. Vous savez que je suis pas super bloc. Waouh. Là, c'est les montagnes, c'est magnifique. Ah, les arbres. Ça va être trop beau. Ils nous font des patrons maintenant. Ils sont juste à tomber. Tiens, là, on a nos petits brouteurs. Donc, on a les noirs, les rouges, un peu de blanc, les autres blancs. Ouais. On va dire que c'est des vaches parce que j'aime bien les vaches. Donc seulement 18 pages. Seulement genre. Ouais, j'en ai eu des plus petites qui faisaient plus de pages. Hein. 55 couleurs. Oh, ça va être magnifique. J'aime beaucoup leur patron sous forme de livret comme ça. Alors, je mets le patron de côté. On va regarder ensemble comment ça se présente. Alors, on a ça. Un sachet avec 20 000 aiguilles. On en a 2, 5, 2 en fil aiguille, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aiguilles. Ah, j'étais pas loin quand je disais 20 000. Ça, c'est pas mal. On a nos couleurs ici. Nos tresses. Oh là là. Il y a combien de tresses? On va regarder ça. Alors, ben on va regarder les couleurs en premier. Ce sera plus pratique. Donc, les couleurs 37 à 55. Donc, on a des marrons, des magnifiques verts, des oranges, jaunes, du bleu, tout petit peu de marron très foncé. Bon, ça, on doit avoir une tresse. Hein. Du rose, des marrons. Alors là, ces trois verts-là, c'est... J'adore. Du bleu. Ici, on a du 5200. On le reconnaît bien. Alors, je mets de côté, on prend la suite. Donc là, on a beaucoup de tons violets. Donc tout ça, ça va être pour les montagnes, le ciel. Des rouges bordeaux. Alors, je vois qu'il y a mon bordeaux préféré. Je suis contente. Oh là là, les couleurs sont juste magnifiques. J'ai qu'une envie, c'est de la commencer, cette toile. Et encore, j'ai pas regardé la toile. Mais les couleurs, voyez un peu, sont lumineuses et tout ensemble, c'est... Un arc-en-ciel, il y a de tout. Il y a des violets, des verts, du bordeaux, des oranges, des jaunes, un peu de rose, du bleu. Il y a tout, il y a tout, tout, tout. On va regarder le nombre de tresses parce qu'il y en a un petit paquet. Hein. Il y a des petites, des grosses. Donc, 2, 4, ça vous permet de voir les couleurs, elles sont magnifiques. Elle reflète bien la lumière. 6.
Alors malheureusement, quand on est sur la lumière artificielle, vous n'aurez pas forcément les vraies couleurs, mais vous les verrez au fur et à mesure de l'avancée de la toile quand je l'aurai commencé. 9, 10, 11, 12. C'est là qu'on voit que j'ai des toutes petites mains. C'est compliqué. C'est pas grave. C'est rouge. Alors, c'est deux rouges différents. Du bleu, du orange, du violet, du beige. 10, on en était. Là, ça nous en fait 16. Et 3. Hein. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 et 30. Oh, ce verre-là, magnifique, j'adore. Ah, j'adore, elles sont belles. Hein. La toile va être une beauté. Comment ça fait? On déplie le bazar? J'ai peur. Elle est immense. Hein. Ah, j'ai encore une aiguille ici. Deux aiguilles. Bon, 14 aiguilles, oui. Ah. Oh là 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 là. Oh, c'est grand. Bah oui. Alors, je vais vous montrer. J'essaie de faire comme je peux. Hein. Ici, en bas, on a la légende. Ah, vous ne la voyez pas. Voilà, vous la voyez. Ensuite, vous voyez, on a des blocs avec les numéros, etc. La toile est surjetée, c'est parfait. Elle est immense, elle fait 803 points sur 260. Je vous la mets par terre. Je ne sais pas comment je vais vous la montrer en entier. Hein. Je pousse une chaise des filles. Ah oui, vous êtes prêts? Vous bougez. Hein. Je peux pas vous la montrer en entier. Si, je monte, je monte, je monte. Voilà. Je suis désolée, ça bouge. Hein. Elle est trop belle. J'adore. Allez, je vous repose. Hip. Et voilà, elle a oublié ses mots. Bon, c'est pas bien grave. Hop là. Donc, vous voyez, et puis alors, en termes de qualité d'impression... Je vous montre comme ça. Vous voyez, c'est super bien imprimé. Les symboles sont extrêmement clairs. Il faut que j'arrive à la replier. On est d'accord? C'est pas comme ça. Ça se passe très bien, hein, comme ça. Et maintenant, il faut ranger tout. Donc, on avait les fils. C'est le jeu après. Il est où mon paquet d'aiguilles là? On va mettre les aiguilles là. On va replier ça comme ça et ça comme ça. On a. Voilà. Je remonte le bébé. Franchement, elle va être superbe. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et en plus, j'ai un super métier maintenant pour broder dessus. Ça va être trop, trop bien. Je vous montrerai ça à l'occasion là. Il est pas droit mon métier. Je vais pas réussir à mettre pas celui-là. Voilà. Moi bon, aussi je vais essayer de vous le montrer. Alors je l'approche. Je le bascule. Est-ce que je peux vous le montrer? Vous avez vu le bébé? Ah, j'essaie de vous monter. Si, c'est compliqué, il est immense. Regardez la toile. Si je la mets comme ça, on est large. Hein? Il est immense. C'est mon nouveau bébé que j'ai reçu. Alors lui, je l'ai monté hier. J'ai reçu l'AliExpress. Il est sur roulette. Il est trop trop bien. Mais je vous le montrerai en action quand on brodera ensemble. Ce sera mieux. Hein. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'autres découvertes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette magnifique toile. Moi, j'adore. J'adore. Bah oui, sinon, je l'aurais pas acheté. Allez, bisous.